Parfait. Nous montons live encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et on a aussi appris l'anglais à Kaba, Chanel là. Moi, c'est Abba. Et c'est toujours un plaisir pour moi de monter, venir faire session ça pour nous sur YouTube là et sur Facebook là. Quittez-moi prendre un petit temps pour me saluer tous les amis Facebook. Saluer tout le monde qui a suivi moi sur Facebook. Tous les amis qui suivent moi sur YouTube là, c'est un plaisir. Moi vraiment content chaque fois nous monter pour nous suivre cours anglais ça yo. Jodi a c'est un autre jour, nous pral continuer parler de verbe be et nous pral continuer bon, OK, nous joine nous gagne élève qui commence monter. J'aimerais dire nous déjà automatiquement nous monter c'est et saluer moi ou bien quitter un commentaire, dire un bagage quelconque pour moi qu'à connaître qui est-ce qui monte, OK? Parce que c'est très important. Et ou même qui a suivre moi pour la première fois sur Facebook ou bien sur YouTube, qui te me dire que nous gagnons classe, un groupe WhatsApp. C'est là nous fait devoir yo, c'est là nous parler de vocabulaire yo, nous prononcer et moi aider yo sans problème, moi aider tout le monde sans problème. Nous gagnons Founa qui est avec nous. Nous gagnons l'autre élève encore. Donc, plusieurs élèves qui déjà monté et saluer, ce soit nous saluer ou bien quitter commentaire pour moi kawe qui est-ce qu'il a. Netsaika, OK. Ney, OK, c'est bien. Premier nom, c'était Founa. OK, donc, on a commencé. J'aimerais dire nous pral continuer avec. Bon, juste avant de commencer, gagne un bagage qui fait me content en pile. C'est OK, Claudette, Netsaika. All right, métro. Parfait. OK, donc automatiquement nous commencer, c'est yon di lot. Et quitte commentaire, écrit non nous ou bien saluer pour me ka connaître qui est-ce qui monte avec. Yon un bagage qui fait me plaisir en pile, c'est façon nous apprécier quoi. Ça me vraiment remel. Parce que et moi recevoir appel, moi recevoir texte des monde qui a expliqué me qui ça anglais veut dire pour yo, comment yo voulez yo t'es toujours voulez apprendre anglais et pour yo joindre yon monde qui décide faire cours pour yo gratis. Et bon me dit non moi recevoir yon appel bon il était besoin à parler langue là. Mais ça fait plus plaisir dans histoire c'est à la fin façon il dit ou pas perdre ça non. Vous comprenez donc li montrer m appréciation som vraiment remen ça et puis tout nous gagne maestro Marc Junior qui fait monter OK et puis tout nous gagne avec nous bon gagne un autre ami tout depuis Haïti qui écrit moi pour la expliquer m misère li passé pour laisser apprendre anglais l'école et li style pas qu'on parler anglais et la expliquer m que li gagne temps ouais dans tête li que avec cours ça m'a fait là l'a pas parler anglais même avec un américain et ça qui plus belle dans l'histoire c'est le li dit moi ou connons bagaille professeur ça me t'a remet c'est que gagne un jour quand même me connais un jour qu'a privé côté que tout ça me dit là yo en créole m'a pas dire yo en anglais donc ça a vraiment touché et me vraiment remet ça donc j'en connais moi parler avec tout moun yo sur WhatsApp là et mon Facebook ou bien YouTube si ou ta remen monter sur WhatsApp là on ka fè m konnen OK nou gen désordre avec désordre m pa konnen ki côté ou joine link là mais moi poko joine nou sur ou pas sur WhatsApp là bon sauf si ou sur WhatsApp là avec yon lot non même suivre que ou toujours avec nous sur courant donc fè m konnen écrit dans commentaire là qui est souye si ou déjà sur WhatsApp là on ka écrit m sur WhatsApp là pour m ka konnen donc on nous continuer avec classe là. Je nous connais déjà, nous gagnons I, you, she, he, it, we, you, they. OK? Et il y a l'autre bagaille tout moi gagne monde qui commence like vidéo, OK? C'est très bien. I will do. All right. Parfait. C'est très bien. Like vidéo yo, OK? C'est ça qui a dit YouTube que nous remet travail qui a fait là. Like vidéo yo et nous gagnons l'autre monde qui dit moi sur WhatsApp là. OK, Monica. OK, parfait Monica. Et sur Facebook tout toujours like vidéo yo nous ka partager avec zanmi nous sans problème. All right. Et je nous connais déjà nous utiliser I c'est le nous a parlé de tête nous. OK?
moi-même, moi c'est un professeur, m'a parlé de tête moi, m'a dit aïe. Si moi a parlé de ou même qui a écrit dans commentaire là, ou même qui like you, ça c'est le ou même ou a parlé de ou même. OK? Si m'a dit ou a regardé, m'a dit you parce que c'est ou même qui a regardé moi-même. OK? Si m'a dit moi avant enseigner, m'a dit I, ça veut dire moi-même. OK? Ou dit you, c'est un gros bagage à faire là. OK, parfait. Moi vraiment apprécier ça. Donc le m'a parlé de moi-même qui a enseigné, m'a dit I. Le m'a parlé de ou même qui a écrit, hein, ou a dit you, si c'est ou même qui a parlé, ou a dit I, si c'est moi qui a parlé de ou, m'a dit you. OK? Donc le c'est she. Jean nous connaît le she écrit comme ça. Nous te posé nous même question ça hier soir. Qui le ou écrit she, qui le ou parlé de she. Qui le ou parlé de she. Parfait, gagne un monde qui te bon même réponse ça hier soir, ou parlé de she, c'est le c'est féminin. OK? Le c'est féminin, yon exemple, nous gen Saika qui avec nous, Ney, li c'est yon fille. Donc na kasa m'a dit she. OK? Si n'a parlé de Saika, ça c'est she, lui-même. OK? He, c'est presque même genre avec she. He lui-même c'est pour garçon. OK? He c'est pour garçon. Nous gagnons Netsaika qui dit il pas très bien. OK, qui ça qui passé? Est-ce que vous voulez me virer la gauche, à droite, râler le sou? Amen. Qui ça exactement? Zoom in, zoom out. Expliquez-moi bien. Donc on nous prend it. On parle de it, c'est là on parle de une chose qui c'est marker. It. OK, ça c'est it. So, pour qu'on y a c'est pas métro, c'est Myrta. OK, Myrta. OK, nous gagnons oui. Oui. Ça c'est là n'a parlé de nous-mêmes. Un exemple, n'a fait classe là moi-même avec nous-mêmes et tout le monde ça qui a regardé moi plus moi-même, ça c'est oui. N'a dit oui. OK? Ça c'est le ou utiliser première personne du pluriel. You. Ça c'est deuxième personne du pluriel, ça c'est le moi-même. M'a parlé de nous-mêmes qui a regardé moi sans que me pas inclus tête moi. OK? Si me pas inclus tête moi là m'a dit you. Ça veut dire m'a parlé de nous-mêmes, OK, qui a regardé moi mais moi-même moi pas inclus. Tout nous a parlé de yo même. Si n'a parlé de yo même, n'a dit they. Moi suivre que gain l'autre monde qui fait cap monter, j'en connais déjà, c'est écrit dis-moi qui est souillé ou bien quitter commentaire pour me ca connaître qui est-ce qui monter dans classe là. Et si vous pas dans groupe WhatsApp là, fait me connaître pour me ca ajouter au dans groupe WhatsApp là. Parfait. Oui. Bon moi un exemple de qui ça me ca dit de oui. Bam yon phrase moins qu'a dit avec vocabulaire que nous gagnons déjà yo. Oui, c'est pluriel. Bam moins yon exemple. We are students. We are students. Si vous suivez bien, vous pouvez mettre S. Vous pouvez mettre S derrière student et m'pa di a student. Moi dit we are students. Puis devant, le nous a fait singulier ou bien pluriel. Là, n'a pas comprendre pour qui raison moi pas mettre pronom ça, amen. Article ça, indéfini, moi tout simplement mettre S à la fin qui dit we are students. OK? We are students. Good. Non, c'est pas we are going to school. C'est pas ça. OK? We are students. Right. So, qu'on y a là, on nous dit. M'a dit you are. Comment m'a dit ça? You are. You are. Si nous allons continuer avec vocabulaire, nous te gagnons yo. Nous ka dit you are musicians. Moi mette S derrière musician. Le ça moi retirer article là, OK, et moi mettre S derrière lui. J'aime dire non, le n'a fait pluriel ou bien singulier, n'a comprendre ça plus bien, OK? You are musicians. Yon dernier si m'a dit they are. Moi qu'a dit they are
athletes. Okay? They are athletes. So, na, si nous suivons, dans le pluriel, yo, moi retirer article indéfini et moi mettre S, they are athletes. Okay? On nous dit ça avec. I am a teacher. Prononcez-le ou même qui la kayo. I am a teacher. Good. You are a student. You are a student. Parfait. She, he, it is. Mwen ka di, she is an actor. He is an actor. Mais moi pas qu'a dit it is an actor pour qui raison pas parce que it is ou utiliser les pour qui ça parfait it is a marker parce que là m'a parlé de une chose m'a dit it is a marker very good you, we are students ça c'est première personne du pluriel you are musicians they are athletes. Perfect. Là, la forme ça nous avons utilisé là, ça c'est pour affirmation. OK? Affirmation. Forme affirmative là, c'est I am. Et si moi a parlé de négation. Jean-Pierre. Hi Jean-Pierre. Forme négative yo, comment yo est? Très facile. Rappelez-nous toujours dit nous que anglais c'est une langue qui facile en pile. Li tout simplement besoin mettez tête sous ça, pratiquer et puis pour ka connait qui ça pour faire. Si m'a dit moi c'est moi pas yon professeur. OK? Nous gagnons I am a teacher. Qui veut dire moi c'est yon professeur? Et si moi pas yon professeur, comment m'a dit ça en anglais? Aidez-moi yon nano. Comment m'a dit moi pas yon professeur? Forme négative yo. C'est très simple. Forme négative là, ou tout simplement mettez not. Très facile. Très facile. OK? Forme négative là, ou tout simplement mettez not. D'ailleurs, qui est-ce qui joue ni? Claudel joue ni? Founa joue ni? Parfait. Et si on continue, ou après, c'est même bagarre là. You are not a student. OK, facile. She is not an actor. OK, we are not musicians. OK, you are not athletes. OK, très simple. You are not. Et puis, on continue ainsi de suite. OK? Pour faire négation en anglais, avec verbe to be, OK? Avec be, ou tout simplement mettez not. Est-ce que nous comprenons? Si nous comprenons, écrit oui, nous comprenons. Si nous pas comprenons tout, posez une question pour me répondre non. Et nous avons ça comme devoir sur WhatsApp là. OK? Et Founa dit oui, ils comprennent les mêmes. OK. Good. OK, parfait. Ça, c'est pour négation. Oui, moi, comprendre. OK, parfait. Ça, c'est pour forme affirmative yo et pour forme négative yo. Là, tout, gagnons l'autre bagaille pour nous. Ouais. C'est ça qui relève contraction. OK. C'est ça qui relève contraction. Gagne un élève qui t'a fait erreur ça dernière fois et en pile monde toujours fait erreur ça tout mais m'a expliquer nous comment ça y est forme contraction c'est le forme contractée bien entendu c'est le ou a dit nous pourquoi j'aimerais ça écrit I'm OK ça yo c'est forme contractée yo y bon moi écrit là pour nous. Au lieu de dire I am, ou après mon écrit
I am. OK, li prononcer presque même Jean. All right? I am fait I am. OK? Donc, ou gen you are forme contractée, comment lié? Very good. Your. OK, suivez bien. En pile moun. Bon, plusieurs moun fait erreur ça. OK? Yo écrit your. Ça c'est un autre bagay lié. OK? Ça c'est un autre bagay lié puis devant nous on comprendre qui ça lié. OK? Mais forme contractée, le on dit tu es, on dit your. Li écrit comme ça. Et wap saisi wè, en pile moun ki pa konnen ki le pou yo écrit ça ou bien pou yo écrit ça. Mais avec moi nou ap apran ni. OK? Ça c'est your. Troisièmement nou genyen he is, ça fait he is fait his. OK? Donc si nous suivons bien, nous mettez contraction là. All right? Good. She is fait qui ça? She's. OK? It is fait qui ça? It's. Est-ce que nous comprenons? Nous est-ce facile? Très facile. OK? Donc, le nom est, mon nom dit, it's a car. Qui ça le dit? It is a car. Mais il utilise forme contractée. OK? Il utilise contraction. Et pour we are, nous gagnons. We are, li bao, we are. OK? Pour you are, j'aime dire nous, li bao, you are. OK? Et pour they are, very, very easy. OK? Donc, pour nous faire phrase yo, dans forme contractée, au lieu de nous utiliser ça, nous tout simplement retirer premier lettre là, OK, dans chaque et puis nous mettez contraction. Très simple. Simple comme bonjour. I am. You are. He is. OK? She is. It's. We are. OK? You are. They are. OK? Très simple, easy. Est-ce que nous comprenons? Biolandi dit, il comprend. Parfait. Natsaika dit, yes, I understand. Good. OK. Moi, content que nous comprenons. Parce que ça, c'est base pour tout anglais. OK? C'est base pour nous apprendre anglais. Écris dans commentaire là pour moi si m'a dit I am a teacher et m'a utilisé forme contractée. Comment m'a écrit? Écris le dans commentaire là pour moi. I am a teacher. Forme contractée I am a teacher. Comment m'a dit ça? I am a teacher. I'm a teacher. Perfect. Claudette, OK, Claudette Jenny. Très bien, Claudette. Et nous avancer pour nous aller avec question comment nous ka di qui ça ou fait dans la vie. OK, qui ça ou fait qui est souillé qui profession. Pour poser un monde question de qui profession parce que nous déjà parlé de profession yo. Samson, OK, Gerda, très bien Gerda. Sophie, très bien, parfait. Donc
Si m'ap di nou comment pour nous dire I am a teacher, kounya la question c'est comment nous poser question qui ça ouyé, qui sont fait. Pour poser question c'est combien moun ki gen question ça? C'est what do you do? Qui ça ou fait? What do you do? OK? I am not a teacher, ça c'est négation. OK? What do you do? Ça c'est pour demander qui ça ou fait dans la vie. OK? What do you do? M'ka di I am a teacher. What do you do? I am a teacher. OK? Et m'ka pose moun nan question, and you? Li toujou poli pou le moun nan pose yon question ou même tout pose l on l'autre question ou bien on pose l même question en back. OK? What do you do? I am a teacher. And you? Si wap repon ou même wap di, I am a student. OK? Ça c'est une conversation entre yon professeur et yon élève. What do you do? OK? Élève la pose question, what do you do? Professeur répond, I am a teacher. And you? Li répond, I am a student. On nous pratique ensemble avec. What? Dis ça ensemble avec. What? Ou même qui la kayo? Do you do? What do you do? I am a teacher. And you? I am a student. Parfait. Une dernière fois, what do you do? Répétez ensemble avec moi. What do you do? I am a teacher. And you? I am a student. Parfait. Écris ça, nous pral gen yo pour nous prononcer yo sur WhatsApp là pour moi. OK? Pour me ka connait vocabulaire nous plus. OK? Rappelez-nous que nous besoin en pile vocabulaire comme ça nous ka apprendre langue là plus rapide. OK? C'est en pile vocabulaire que nous a besoin. Ben nous quelques vocabulaire sur profession. Very good. Anou ale ak A. Anou ale ak A. Banker. Banker. Okay? A banker. An architect. An architect. A flight attendant. À nous répéter ça ensemble avec A banker. Banker, ça c'est un banquier, c'est un monde qui a travaillé la banque. A banker. An architect. An architect. Parfait. A flight attendant.
A flight attendant. Okay? A flight attendant. Okay? Donc c'est tout ça nous t'a pas prendre pour aujourd'hui hein. Nous fini avec occupation yo avec verbe be forme négative, forme affirmative et sur WhatsApp là n'a continuer pour moi qu'a nous l'autre devoir. Et j'aime dire nous ou même qui a suivre nous pour la première fois, ça c'est une série de cours que nous fait chaque soir sur YouTube là et sur WhatsApp là. C'était un